Mesdames, Messieurs, la famille, tout en amis, frères, accès, compatriotes, nous, bonjour, bonsoir pour nous toutes, bienvenue sur la plateforme, non? Moi, c'est amis, nous, frères, nous, merci Dieu, merci en pile, à tout le monde qui a suivi votre channel YouTube, ça, tout le monde qui a regardé nous, et puis qui a suivi nous, n'a pas demandé nous si nous remet travail là, abonnez, si vous pouvez faire ça, prenez un petit temps, abonnez, comme ça, vous permettre nous grandir, puis plus, dans la communauté, hein? Et puis tout, après, merci tout le monde, toutes amis, fanatiques, qu'a partagé vidéo nous yo. Je dis à ce lundi, n'a vivre lundi 10 octobre, toute équipe là avec nous mobiliser, nous pour partager avec vous quelques parmi informations, quelques parmi nouvelles qu'a dominé actualité. Je dis à nous charger couler bas, bourrique charger pas camper, nous pour commencer avec phénomène insécurité et qu'a blahi qu'a valé terrain dans le pays d'Haïti, et bien nèg vite l'homme. Mesdames et messieurs, nèg sa yo commet un crime atroce. Même j'en somme avec crime ça que nèg 400 maozo yo te fait sous chauffeur côté yo te prend chauffeur ça yo kidnappé yo coupé des mains des pieds après yo mette 10 fait sous lit et bien nèg évite l'homme yo fait un travail pareil. Et bien gagne des haïtiens qui t'a vivre à l'étranger moun sa yo fait tout le temps yo a vivre aux États-Unis et garçon qui relè qui c'est un vétéran dans l'armée américaine, il passe tout le travail l'autre bois. Eh bien moun sa yo yo vinn faire retraite dans le pays d'Haïti, yo fait caillou dans ton sel, yo vinn vivre, yo vinn passer reste la vie yo. Eh bien mesdames et messieurs, nèg vite l'homme yo rentre la caille moun sa yo, mesdames et messieurs, eh bien yo kidnappé nèg là et fia non seulement yo bat li, eh bien yo touye fia, yo criblé en babal après nèg vite l'homme yo prend, yo mettait 10 fait sous li. Gen image très triste, moi pas capable partager image ça yo ensemble avec nous côté nèg yo bay et madame nan 89 l'année dame nan genyen après que le film passe tout temps toute jeunesse et toute force li la travaille aux États-Unis avec Maril, et bien li vinn passer reste ville nan pays parce que tout le monde et vivre, tout le monde rêve, quel que soit à côté ou aller, eh bien, reste vivre, c'est la caille où vous pouvez passer, parce que la caille, c'est la caille. Eh bien, c'est comme ça, moun sa yo, c'est comme ça la vie au passé. Eh bien, nèg vite l'homme, yo même, yo kidnappé et monsieur, qui c'est un vétéran dans l'armée américaine. Et d'après ça que nous connaissons, eh bien, personnage ça, que chef gang vite l'homme kidnappé, et tout y est, madame, li, en dan kay li, nan ton sel, eh bien, nèg ça, c'est un vétéran dans l'armée américaine hein, et marine américain, et même sur les gens Lucien et Franklin, il gagne 87 l'année, il compte faire médecin vini dans le pays d'Haïti dans tabac dans clinique tabac pour venir faire clinique mobile dans zone là, il toujours fait aller venir entre USA avec Haïti, et bien c'est comme ça dans week-end là nèg vite l'homme yo décidé retirer la vie et deux moun sa yo, deux personnages sa yo qui fin passer et tout jeunesse toute vie à travail aux États-Unis seulement parce que yo décidé rentrer dans le pays d'Haïti vienne passer reste vie yo, et bien c'est comme ça moun sa yo même yo perdu et la vie nous pas connait qui ça qui a passé mesdames et messieurs ensemble c'est un gros complot qui sous pays d'Haïti parce que m'pa ka comprendre ça qui a passé dans dernier temps ça yo hein c'est un coup c'est un gros complot et pour toute gang yo lever camper en même temps nèg yo lever camper ensemble nèg yo camper m'pa comprendre ça qui a passé non c'est juste m'pa connaît si c'est pour capable forcer et force étranger rentrer dans pays à puis vite m'pa ka comprendre ça qui a passé actuellement là et moun nan Duval 23 24 26 28 regardez tout bloc là net habitant yo pa ka dormi la caillou bandi refize moun yo dormi la caillou mes amis bandi exam occupé zone yo net yo rentre la caillou moun yo yo pillé fait ka déjà violer femme violer ti moun même garçon nèg yo et nèg yo a violé kidnapper moun men nan zone yo pour canaran regardez canaran quoi des bouquets moun moun pa ka vivre là mais moun yo pa ka vivre tranquille dans zone ça non comme si c'est un gros moi franchement m'pa ka comprendre m'pa quoi c'est seulement nèg ti nèg en Haïti qui nan complot ça parce que international la donne et d'ailleurs nous recommandons nèg déjà content pour capable venir entrer là et c'est pas seulement dans ça là par exemple zone et plusieurs zones et région métropolitaine
Eh bien, c'est dans gros tension matin là, oui, dans zone métropolitaine. C'est gros tension qui gagne là, oui. Et puis ça fait demander en pile précaution pour n'importe monde qui t'a décidé de prendre la rue, prend en pile précaution. Sorti et en bas d'Elma, surtout tout le monde qui a sorti dans bas d'Elma pour monter dans pavé. Et mais c'est vent panique qui a soufflé dans la zone ça. Évitez la zone canaran, bandit acheté l'argent comptant depuis plusieurs jours. Et mais c'est bandit qui a fait et défait dans la zone ça. Et bien, gagné et n'apporté au niveau international, nous connaissons que et Ariel Henry, lui-même qui voulait rester sous pouvoir. Côté Haïti te mette fini, Haïti te mette écrasé, surtout pas oublier li gen bon côté li André Michel dit puis a te mette écrasé en sonne et sous même sonne ça li t'a continué goumen contre Jovenel Moïse nous pas connaît est-ce que c'est avec les zombies Jovenel Moïse dans gap goumen qu'on y a. Et bien monsieur lui même li pas besoin connaît, c'est pour fin et pour faire tout restant sous pouvoir là. Semble monsieur m'a pas connaît si c'est Walv dans pays d'Haïti, mais monsieur lui même li l'a fait et défait si accord sous pays a seulement pour le capable rester sous pouvoir qu'on y a les lagues pays dans mes blancs gagné Antonio Guterres OEA qui même qui fait une déclaration là Antonio Guterres les exhorté à conseil de sécurité pour le capable examiner avec urgence demande que Ariel Henry fait pour capable voyer militaire puis capable faire un déploiement force militaire en Haïti. Et maintenant il a parlé de question de dialogue. Quel dialogue ça mesdames et messieurs? Bon date notre de international à demander pour capable faire dialogue avec qui est ce dialogue ça va le faire. Et mais d'après sa secrétaire général et dans l'ONU qui c'est Antonio Guterres, monsieur dit lui-même lui très préoccupé pour situation que pays d'Haïti a vécu aujourd'hui, lui exhorter communauté internationale ensemble avec conseil de sécurité pour être capable examiner avec urgence et demande que Ariel Henry fait pour capable voyer l'armée dans le pays d'Haïti. C'est juste pour capable aider le pays pour capable sortir dans le phénomène insécurité que lui-même il a donné là. Et lui demande pour acteurs, pour haïtiens capable mener et un dialogue. C'était secrétaire général qui exhorte la communauté internationale et puis y compris tout membre qui dans le conseil de sécurité et bien pour capable faire ça vite. Vous connaissez ça qui puisse enrager dans le dossier, mesdames et messieurs? C'est que Canada avec les États-Unis, ils ont déjà dit qu'ils sont prêts. Et c'est deux pays ça, qui pourraient envoyer et l'armée dans le pays d'Haïti. C'est deux premiers pays qui répondent pour capable envoyer l'armée et soldats marines venir dans le pays. C'est les États-Unis ensemble avec le Canada. Ça fait plus mal que je ne peux pas comprendre. Depuis la Jovenel Moïse était là, il y a l'argent qui est débloqué, qui a joué le Canada. Côté ils voulaient acheter et matériel pour la police être capable de combattre et bandits, phénomène de banditisme. Nèg yo bloqué l'argent, nèg yo prend cob là. Jusqu'à présent, pourquoi gagner même une grande balle qui ka venir dans le pays d'Haïti. Jusqu'à présent, Canada kembe cob li, li kembe tout matériel pour la police. C'est ça qui fait nous gagnons un gros complot sous pays. Gagnons un gros complot sous pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Yo kembe l'argent, yo pare mettre cob là et yo pas envoyer matériel pour la police. Et puis, ils ont créé un phénomène d'insécurité dans le pays d'Haïti. Côté tout le monde dit, ah, bah, problème. Politiciens ont investi l'argent pour capable faire la situation vienne plus mal, vienne plus aggraver la situation. C'est juste pour capable justifier pour force internationale. Ça rentre dans le pays. Vienne faire qui ça? Ça ne sait pas. Et pas comme si vienne pacifier le pays. J'aime te dire ça hier. Yeah. Mais il y a quelques haïtiens qui ne peuvent pas comprendre. Qui ne peuvent pas comprendre ça. Parce que c'est nous-mêmes, peuple haïtien, qui parle le pays tête cassée. C'est ensemble avec propre richesse. Pas nous qui pourra le financer ça qui pourra le faire là parce que nous avons rentré plusieurs fois déjà et nous pas jamais gagné qu'un problème qu'une insécurité qu'une bagaille bandit toujours sur nous. Hein, qu'on y a je dis à nous qui j'ai bandit à valider qu'on est rentré là ou pas le ouais tout bandit pour rentrer dans tout il pourra le dire pacifier. Hein, mais mesdames et messieurs, c'est comme ça la situation lui-même liée dans le pays d'Haïti. Et moi, content pour me capable ensemble avec nous, rester connecté dans n'importe quelle occasion. On a retourné pour nous capable continuer à informer.